Oui, lui, c'est le 24 novembre 2017. Je vous rappelle, sur la race des albinos, c'est la race la plus voleuse de toute l'histoire de l'humanité. Quand l'albino venait dans ton peuple, il volait tout. Il ne laissait rien. Maintenant, pour utiliser le 1%, car il fallait qu'il soit présent dans ton peuple, pour utiliser 1%, il se passe pour des bienfaiteurs de l'humanité, pour des gens qui ne mentent pas, qui disent la vérité, qui ne cherchent pas de problème. Non. On leur demande de rembourser tout ce qu'ils ont volé depuis la création et de payer pour tout le sang qu'ils ont versé. Par exemple, nous, les Hébreux, quand nous allons prendre le règne au Cameroun, nous n'avons pas besoin de leur seringue et de leur machine pour soigner les gens. Nous allons soigner comme nos ancêtres soignaient avant, avec les herbes. Et vous allez voir que nous allons soigner même les maladies que les Albanais ne rêvent pas de soigner maintenant. Donc maintenant, quand il y avait un chef d'État, un représentant d'un pays qui voulait sortir, qui n'était pas dans le jeu, qui voulait se rebeller, les gens de l'ombre envoyaient les prostituées, qu'on appelle les journalistes. Les journalistes venaient, ils essayaient d'élever la personne. Après, les mêmes gens de l'ombre venaient maintenant détrôner la personne. Et ça faisait la gloire des albinos d'Europe et d'Asie. Maintenant, c'est fini. C'est dans la chambre des gens de l'ombre que nous avons venu les chercher. Et vous allez voir la gloire de l'Éternel Père Yahweh, le Dieu juste et le vrai Créateur, tout à l'heure.